Donc là, dans un premier temps, je vais les approcher, juste de façon à ce qu'ils touchent à la culasse. Voilà. Voilà. Donc là, je mets 12 pour faire la première passe. On serre un peu en bas, on serre un peu en haut. Ça, c'est la boîte qui vient de tomber. Maintenant, on va mettre 15. Là, on va mettre le serrage définitif, donc je vais mettre 19, c'est ce que je mettais sur le DT. C'est des goujons de 7, donc on peut se le permettre. Et des goujons de 6, par contre, c'est à éviter. Là, c'est bon. Et il y a de la compression, c'est bon à savoir. Je vais remonter la pipe d'admission. J'avais mis de la pâte à joint l'autre fois, mais ça n'allait pas finalement. Donc, on va le remonter comme il était là. Alors, j'ai mis une pipe d'admission de 15 où on peut la faire glisser. Moi, je vais la faire glisser à l'opposé parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est que j'ai une boîte à air sur le carbu de 15 et... Si je la mets trop vers le variateur, en fait, tout simplement, j'ai la boîte à air qui tape dans le variateur, dans le plateau. Donc, je vais la mettre ici. Là-dessus, je sais pas combien je vais y mettre. Habituellement, je ne le sers jamais au couple, ça, je le sers à l'expérience. Mais bon, je vais quand même essayer de le serrer. Au couple cette fois, ce serait quand même bien. Voilà. De toute façon, ça c'est des écrous qui peuvent pas se desserrer, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Enfin, beaucoup. Ça c'est les écrous anti-desserrants, ça c'est les écrous nip-stop. Par contre, la pièce qui est là, faut quand même essayer de la mettre correctement. Là-dessus, je vais faire deux passes. On va mettre 1, 2. Donc on va mettre 12 newtons déjà. Histoire de commencer. J'ai mis 12 newtons là. Alors, l'autre côté, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut garder cette pièce là, faut la garder quand même correctement. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va redesserrer un peu. Et voilà, donc elle c'est bon, elle est mise. Alors ce truc là, c'est toujours un petit peu, on va dire, un petit peu le bordel à mettre, hein, à serrer. Donc je vais essayer de voir comment faire. Parce que là je suis un peu dans rien parce que j'ai pas l'allumage. En temps normal, je me repose sur l'allumage. Sur les transferts, je pense que 12 ça sera bon. Ouais. Je vais pas serrer plus.
12, c'est très bien. De toute façon, en général, c'est des trucs que je ne sers pas. Que je ne sers pas au couple, ça, là, habituellement. Donc, voilà, ça c'est bon. On va vider la cuve. On va déjà changer le petit joint de la cuve. Voilà. C'est pas là, mécanicien. On essuie quand même l'intérieur de la gorge. Un petit coup dans la cuve, ça fait pas de mal. Donc j'ai pris une pochette, un kit réparation de l'ortho. J'ai pas pris de l'adaptable. Donc là, on a le joint de la cuve. Donc il n'y a pas besoin de mettre de graisse. Voilà, le joint est neuf. Là-dedans, on a deux joints. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. Pourquoi il y en a deux? Ouais, là, je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Vous avez... Alors, moi, c'est un joint que... Pareil, hein, de récupération. Mais ça, c'est pas d'origine, la base. La base, sur les joints du filtre à air, c'est des joints en liège. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y en a deux. Logiquement, c'est censé être rond, ça. On va mettre celui-là. Il y a une chance sur deux que ça soit le bon. Ah d'accord, ça c'est pas le bon. Déjà ça commence bien. Donc il y en a un finalement qui est plus court que l'autre. Alors je sais pas si on voit à la vidéo. À chaque fois je pense pas regarder. Le joint en liège. Voilà. Le joint en liège est mis. On va sortir le flotteur. On va changer le pointeau. Le pointeau qui est vendu à part, qui n'est pas vendu avec le kit de réparation Carbu. Mais normalement, j'avais pris en origine de l'ortho, j'ai quand même regardé. Ouais, il y a le symbole, donc c'est bon. Hop. Donc, change le pointeau aussi. Je ne sais pas combien de temps qu'il a, celui qui était dessus. On remonte la cuve, les deux vis. Ensuite, on va changer le joint qu'il y a ici. Alors moi, je fais une marque. Voilà, ça sera tout simplement à l'endroit où je devrais replacer ma pipe d'arrivée d'essence. Quand même, regardez que le joint qui est derrière, il n'est pas bouché. Enfin, le filtre. Non, c'est bon. Donc là-dessus, moi j'avais monté, j'ai un joint que je n'avais pas, donc j'avais monté un joint torique d'AR1-13. On va y mettre le joint d'origine cette fois. Bon, bah celui-là je viens de le faire tomber par terre. Donc
avec le joint de la petite pipette d'essence qui est également qui est en papier. On replace la pipe, la réoriente où elle est censée aller et on serre. Ma bague là-dedans, voilà. Le joint neuf. Alors il y en a qui disent que ce joint n'est pas important. juste comme ça, si les fabricants mettent des joints, c'est pas pour la décoration. Donc le carbu et le moteur, c'est terminé. Donc là, on va attaquer maintenant. C'est l'embrayage. On va l'embrayage, le variateur. On va remplacer les galets. On va mettre du 7,5 g. Alors par contre je ne sais réellement pas c'est quoi les poids d'origine des variateurs motobécane à galets. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que j'ai beau regarder sur internet, c'est soit je trouve et c'est du 8,5 g ou alors c'est du 8 g. Donc je peux pas réellement savoir. Donc je sais que les galets de 7 g, j'avais essayé en modifiant des 16x13. J'avais essayé et ça allait pas. Ça gueulait trop. Et de toute façon, c'était pas les bons galets, donc voilà. Donc là, j'ai racheté des galets 15x12, c'est ce qui est monté normalement ce qu'il y a sur les bécanes. Donc là, on va se servir de mon outil fait maison. Voilà, donc c'est... Alors l'outil, il est fabriqué à partir d'une cale de rail de chemin de fer, une tige filetée de 8... deux boulons BTR en diamètre 6, donc j'ai pris l'anthrax grâce à ça, grâce à cette partie-là, que j'ai percé, j'ai mis deux écrous, une tige filetée, plusieurs rondelles pour le centrage. Et puis voilà. L'outil existe en refabrication, donc au pire je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Moi je la jette pas, hein, parce que tout simplement j'ai pas envie de me faire chier. Acheter cet outil là alors que je l'ai fabriqué. Donc là on va passer sur le variateur, donc il a fallu que j'aille au garage pour le desserrer. J'ai pas eu le choix, on serait bien passé. Donc vous avez l'écrou qui se desserre dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, je l'ai changé, hein, j'ai remis celui d'origine, l'autre il était mort. Et la joue fixe, elle se desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, la joue mobile. Là j'ai les trois galets en 15x12. Alors ça, n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire. C'est ceux avec le liseré rouge. N'hésitez pas à me dire si c'est des... si c'est des 8 g ou des 8,5 g. Hein. Mais là, moi, je vais mettre des 7,5 g. Vous avez une matière plastique d'un côté et une matière où il y a moins de plastique de l'autre. Essayez de les mettre quand même dans le même, les trois dans le même sens. Après, peu importe dans quel sens vous les montez, vous pouvez sur le variateur, vous pouvez les mettre comme ça ou comme ça, ça n'a pas d'importance. Mais essayez quand même de les mettre, les trois, dans le même sens. Là, on va remonter la joue mobile. Voilà, la joue fixe. Donc je l'ai desserré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je la serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi je vais me servir d'une clé à sangle, donc c'est des vieilles clés à sangle, c'est des clés à sangle qui datent des années 90, donc dans les débuts où on faisait encore du matériel assez solide. Par contre ne le faites pas avec une clé à sangle que vous allez acheter actuellement, j'ai essayé, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, le troisième coup j'ai voulu le faire, j'ai cassé la clé.
On va dire que maintenant, il tire un petit peu sur toutes les caisses, sur la qualité. Donc, le mieux, éventuellement, ce serait la clé à sangle spéciale pour ces machines-là. Donc, elle se trouve hein, chez BSX, ils l'ont. Sauf qu'ils abusent un peu sur le prix quand même. C'est 75€, je crois. Et c'est pas de l'origine, hein, c'est de la refabrication. C'est d'origine, c'était VAR. C'était la marque VAR. Donc, voilà. Donc là, on va le serrer. Alors, vous allez mal voir. Là, faut que je le prenne dans mes bras, si on peut dire. Voilà. Ensuite, on met l'écrou. On va serrer en sens inverse des aiguilles d'une montre. La grosse douille de 35. Et là, en fait, on va desserrer pour serrer. Pour serrer, ça le fait. Pour desserrer, ça va moins le faire quand il va falloir que je redémonte au cas où que c'est pas bon. On fera pas la même musique. Je vais essayer de prendre ma barre de force quand même. Le problème, c'est que sur le cliquet, il a fallu que je mette un adaptateur et on va dire que ça le fait moyennement quand même. Voilà, c'est bon, on n'a pas besoin de serrer ça comme un couillon de la lune. Toc. Voilà, le vario est prêt. Toc. Une méthode toute simple pour éviter de se faire chier lors du remontage de l'ensemble sur le moteur. Alors c'est une méthode que je pense que beaucoup connaissent. Hein. Voilà. Vous mettez la cage à aiguille. Ensuite, vous avez une rondelle qui est vachement épaisse. Il y a le cerclips qui sert à tenir le variateur sur le vilebrequin. Vous le mettez. Ensuite, vous avez deux rondelles qui sont plus fines que celles de tout à l'heure. Vous les mettez. Et vous avez le clips qui sert à tenir tout simplement l'ensemble. Et on va remettre tout de suite. Non, j'ai pas pris la bonne place. C'est le route qu'il me faut. Parce que moi c'est un peu cuite. Je pense à m'en racheter une. Donc voilà. Pour être sûr que le clip soit monté, vous appuyez avec un tournevis. Mais moi je peux vous dire qu'il n'est pas monté le clip. Pas monté du tout. Il veut pas se mettre. Et ma pince commence à être un peu usée quand même. Donc c'est pas évitant de travailler avec du matos usé.
Voilà. Et on va repasser sur la 89. Donc là, on va faire la repose du moteur. Donc, vu que c'est une étape qui est quand même assez chiante sur mon motobécane, je vous le fais en accéléré. Donc le moteur, comme d'habitude, hein, ça c'est la maladie motobécane. Une merde à monter. Surtout que ce côté-là, j'ai une entretoise qui est courte. Donc voilà, donc là je vais remonter le ressort. Donc concernant le ressort, je ne sais pas si on va voir, mais en fait j'ai un problème sur le ressort du moteur. Alors, je vais essayer de le placer et comme ça vous allez voir en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas beaucoup de réparations actuellement sur la 89. Alors, je vais essayer de le rentrer. En fait, c'est un ressort moteur que j'ai changé. Mais il y a un méga problème dessus. Voilà, là j'ai mis mon boulon. Alors regardez. Allez vite comprendre. Voilà. Je vous ai foutu la caméra en dessous pour que vous voyez. Vous voyez, je suis pas du tout en face du trou. Donc attention, point important, on ne sert jamais le moteur sur motobécane sans avoir remis la courroie. Ça risque de péter les scies en bloc. Enfin, moi j'aurais pu le faire, hein, les scies en bloc sont morts. Hein, de toute façon. Mais bon.
Donc j'avais plus de batterie, donc on va faire la mise en route là. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai changé le carburateur, hein, l'autre il a lâché. Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Méca Boîte. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, également vous abonner à mon Instagram. Pour toute question, je préfère qu'on de toute question technique, je préfère qu'on me contacte sur Instagram. Voilà. Vous pouvez également vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande, donc Gotha11, Mob11 et 103 Mob Stories. Les trois liens sont dans la description. Il y a mon Instagram qui est également en description ou sur la page d'accueil de la chaîne, sur la photo. Pensez à activer la cloche de notification pour être averti quand une vidéo sort, car YouTube n'avertit pas spécialement les abonnés quand il y a une nouvelle vidéo. Et bah, une prochaine.